Salut, on se retrouve pour un nouveau vlog après 3 jours d'absence. Vous avez que des galères. Que des galères. Là aujourd'hui on va se promener dans une place connue, je sais pas le nom, je vous dirai quand on sera. On va faire des petites boutiques, des petits trucs que j'ai envie de chercher. Peut-être qu'on va essayer de trouver un souvenir gel. Peut-être manger une petite gaufre parce qu'on m'a dit de manger une gaufre. Donc je vous laisse avec l'intro et on se retrouve tout à l'heure. On fait la trend cantine. Tu dis qu'il a pas de thune pour faire des sorties en couple, mais qu'il sort avec ses potes tous les week-ends. Prends un gros pot, toi t'as beaucoup de choses à dire. Ok. Quand il fait le mec capable, mais qu'en fait il était en couple, qu'il était sur Tinder et qu'il parlait à toute la ville. Ouais. Quand il fait le mec à croire qu'il va trouver une meuf plus belle que moi alors que MDR, il n'y a pas plus belle. Allez. Non, je rigole, arrête. Quand il m'a trompé cette fois, mais qu'il dit à tout le monde qu'il m'a trompé 3 fois. Elle fait mal. Elle fait mal celle-là. Ah, quand il ose perdre mes clés de l'appartement et dire que c'est de ma faute parce que c'est moi qui lui ai donné mes clés, genre. Allez, poubelle. Quel bâtard. Tu dis qu'il veut pas se poser et qu'il est en couple 2 semaines après. Bâtard. Des hommes, vous êtes toutes des putes. Quand il veut te voir que la nuit. Genre t'es une chauve-souris. Bon, Ariane récupère les poubelles. Ah ouais, il est beau, je pense que je vais le mettre en déco, genre. Bon, nous là, on part à la recherche d'un Sonia Angèle. Pour la 4e fois de la semaine. Clairement. Monte la rue, après. Top. Regardez mes godasses. Merde, j'ai pas filmé. Je monte à la vue d'une meuf grande. Oh, salut. Regarde mes yep à 2 mètres du sol là. Cours Forest, cours. On a trouvé le magasin de l'année. On a trouvé notre bonheur. C'est pas mais le demandeur en presque c'est signé en deux directement. Ouais. Il va nous dire non, on aura fait tout ça pour rien. Ouais mais vaut mieux savoir me faire un tour de magasin pour rien. Bon, en gros, je vous explique, ils en avaient plus, ce qui est totalement normal vu qu'il n'y en a plus nulle part. Mais ils en avaient à disposition dans des vitrines, donc c'était déjà ouvert et elle nous les a fait 14,95€ au lieu de 20€, je pense, un truc dans le genre. Au moins, vous pouvez choisir ce qu'on voulait. Je me fais promener n'importe où. Regardez ce qu'on a choisi. Nana, Sada. Alors, à la base, je voulais lui, mais vu qu'elle allait me faire la gueule, bah, j'ai pris lui. T'es une menteuse. Nos bébés tout nus prennent le bus. Waouh, sommes-nous à Londres? J'allais la faire tout le temps celle-là. Bon, on ressort, on allait dans une petite boutique. On montrera ce qu'on a acheté, mes petits cadeaux. Il y a le chat là. C'est pas un cadeau. Bah si, c'est un cadeau parce que je te... Non. Tiens, t'es un petit zizi. Ils sont aigris, putain. C'est dingue. Putain, mais Auriane, t'as toujours de la bave. Sans celui-là. J'ai envie de mon gloss parce qu'elle m'a mis du putain de savon sur la bouche là. J'en ai plus là. Non, t'as plus de gloss. Donc on tourne devant plein de commerces. On va essayer de me trouver mes petites Air Force One.
Oh, mais c'est quoi ces monuments là? Regardez, on est en Grèce ou pas là? Oui, effectivement. On est un peu partout ici en fait. C'est vraiment pas mal. Des crêpes salées. Ah, mais c'est parce que. Ah, mais oui, mais si, il faut vendre des crêpes. Ah, oui, ça vend des crêpes, en fait. Bon, c'est bizarre. Pardon. Bah, on en parle, il mange ça en fait. Mais oui, c'est trop bon. Hein. Regardez, je nous ai payé des petites coups. Une bise, s'il te plaît. Alors c'est pas du Nutella, hein, c'est du crayon à lèvres. Celui-là, les tarifs, c'est 4 euros la coffre. Bon, je vous explique ma galère. Je marche et là, je sens genre, on vient d'acheter une bouteille à 2 euros. Celle-là. Bah voilà, vous voyez bien, vous avez compris l'histoire. Et là, je marche dans le Foot Locker et je me rends genre vraiment, l'eau commence à être mouillée, mais mouillée jusqu'à la cheville, genre. La bouteille, elle s'est renversée dans mon sac. Dites-vous que je suis allée dehors, j'ai carrément renversé mon sac à l'envers et ça. Comme si je versais un verre d'eau carrément. Putain. Bon bah il n'y avait pas ma taille, ça s'est arrêté au 38,5 et je fais du 39. Go chercher ma prochaine proie. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, c'est pour un micro-trottoir, je peux vous poser une question? Que faut-il arrêter en 2024? Faire des micro-trottoirs devant tout le monde dans une rue où il y a beaucoup de monde et tout le monde me regarde. J'ai jamais vu un magasin aussi chiant et galant toute sa vie. Bon, au moins j'ai trouvé ma paire. On a fait tous les magasins, il n'y avait que du 39 et tout, ça m'a. Il y avait que du 38,5 et du 40. Du coup, j'ai pris 40, mais là je suis trop badérée. Même ma carte elle passait même plus, genre au moins 3 fois on a dû la passer. J'ai dû aller à la caisse. Une autre caisse, j'ai été passer tout le monde et tout, donc. Encore dépenser 100 balles, ça fait quoi en fait? Il faut savoir que j'ai reprécisé. En réalité, je vais faire préciser, mais là, c'est ma paire de chaussures, on me l'a offert. Donc, je préfère préciser. Ah oui, parce qu'après, sinon, on va avoir des remarques. Là, je marchais avec des trous et mes chaussures prenaient l'eau, donc je n'avais vraiment même pas le choix. Dites-vous que je voulais les acheter le mois prochain, mais là, c'était tellement la cata que j'étais obligée de les acheter là, donc plus de thunes. Excuse-moi, j'étais bête. Waouh, la beauté des îles. Waouh. Je suis peut-être pauvre, mais au moins je suis en vie, maman, hein, si tu regardes ce truc. Regardez, on a trouvé notre petit pot qu'on avait abandonné dans l'émission toute la journée pour pouvoir le récupérer. Intact? Ouais, intact. Nickel. Go round three. Et là, on est aux États-Unis aujourd'hui aussi. Putain, on est beaucoup où on se promène, hein? Ouais. On fait beaucoup de continents en une journée, hein? On se retrouve toujours au même endroit pour faire. Pour montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai acheté cette petite paire de chaussettes dans une petite boutique, mais c'est pas pour moi, c'est pour Oriane. Je l'ai acheté parce qu'elle la voulait. Si vous connaissez pas, c'est l'emblème de la Belgique, c'est un petit garçon qui fait pipi. Ensuite, on est allé dans une petite boutique, on cherchait des souvenirs en gel, donc je vous ai expliqué. Et je vous ai déjà montré, on a le hippopotame et. Je crois que c'est une framboise ça. Son petit framboise. Je vais les mettre là. C'est trop chou. Ensuite. Zéro originalité des Air Force One. J'ai déjà expliqué pourquoi je devais les acheter, mes chaussures, mais on dirait que j'ai fait du rallye avec. Et mes petits souvenirs. Un petit I Love Bruxelles pour l'originalité, hein, on n'en parlera pas. Je vous montre, j'ai acheté des petites décos. Bah ça, c'est un... En fait, en gros, de base, 4 vignettes, c'était pour 10 euros. Donc j'en ai. Je m'en retrouvais avec 3 et je me suis dit bon bah 4 au final. Ça c'est pour mettre en déco sur un petit meuble chez moi. C'est censé être une vignette mais il est trop chaud, regardez.
Il faut savoir que j'achète des vignettes moches, affreuses, le too much kitsch pour mettre sur mon frigo de chez moi. C'est fait exprès, genre, dans chaque endroit où je vais avoir un truc trop moche. Du coup, c'est pour ça. C'est vrai que j'en ai pris un. Bon, des gens vont le trouver beau, hein, mais je suis désolée. C'est quoi son regard? C'est un papillon, quoi. Petit porte-clé parce que c'est comme les vignettes, je prends un porte-clé à chaque endroit où je vais. Celui-là, il était mimi. Je les utilise pas en fait, ils sont tous mes porte-clés sont accrochés ensemble et je les utilise pas. Lequel je vais donner à ma maman? Quel je vais donner à ma maman et quel je vais donner à ma mamie? Je vous montre celui que je donne à ma mamie parce que sinon ma maman elle va voir, mais c'est une petite vignette de Bruxelles, à Belgique, avec tous les petits monuments et tout. Celui-là, il est trop beau par contre, j'adore. Donc voilà, et là après on va manger. En tout cas, je vous retrouve tout à l'heure, c'est un truc intéressant. J'ai sorti le meilleur pyjama qu'on pouvait trouver.